Ah, c'est parti. Donc aujourd'hui l'objectif ce qu'on va voir c'est bah là on va voir comment ça va évoluer mais je vais juste revenir sur l'atelier vu que mardi on n'avait pas eu la formation. Enfin vous avez tous pu avancer beaucoup sur le script et le finaliser. Donc là je vais revenir, en fait je vais présenter le correctif. Moi je l'ai fait hier. Je me suis rendu compte que j'avais été assez en fait parce que quand j'écris l'atelier je le fais pas. Hein, je vous le donne, puis après je le fais. Donc, c'est pas préparé d'avance. Et on fait la dernière partie qui est à la fin du processus, afficher à l'écran le nombre de MP3 traités total, ainsi que le nombre par genre, etc. Je me suis rendu compte que finalement, en tout cas, ça se fait là, mais quand je suis arrivé devant, je fais comme, oh shit, ok, comment on va faire ça? Donc, c'était plus compliqué à faire cette section-là. Donc, si vous l'avez fait ou pas fait, là, ça c'est compréhensible que cette partie-là était plus complexe. Voilà. Donc là, ce qu'on va voir, c'est voir le correctif pour faire ça. Si on regarde, j'avais donné les informations pour des suggestions de commandes. D'ailleurs, il manquait sleep que j'avais pas mis. Hein. Donc si on reprend, donc on faisait une recherche récursivement des MP3 dans le répertoire, donc le premier répertoire, donc download achat dans l'exemple qui est donné un peu plus haut, donc qui devait aller récursivement à l'intérieur, et il allait copier dans le deuxième argument, donc ici, les fichiers, puis en créant un répertoire par genre. Donc un peu comme on l'avait fait en une ligne de commande avec le xarg, puis on avait vu avec le xarg-l, c'est grosso modo la même chose. La seule différence, c'est que là, ici, on le faisait en script, donc avec une boucle for pour traiter chacun des MP3, et aussi rajouter un peu plus de conditionnel, parce que hein, quand on le fait en ligne de commande, ben, ça marche pas, mais c'est un one shot, tandis que là, ce que l'idée, c'est de rajouter des ifs, etc. Donc ça soit un peu plus réutilisable. Donc si on regarde, je vais juste décaler ça dans l'autre fenêtre. Si on regarde dans, je vais regarder, je suis rendu où? Ah, 7 secondes. Ok, parfait. Donc je vais pouvoir tout de suite aller dans script, atelier. Parfait. Donc ça c'est fini. Parfait. Donc là moi j'ai ici script, musique, atelier, donc on le décompresse, tar moins zxvf pour décompresser le tar gz. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon script, oups, musique vrac, qui est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attends, il est où le script? Tu le vois? Ah oui, ok, merci. Pourquoi j'ai pas la couleur? Ok, well. C'est pour ça que je voyais pas. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plusieurs MP3 qui sont là. Avec là, j'ai créé des répertoires juste pour qu'on voit. Donc si je fais un ls-r majuscule, donc pour afficher récursivement, est-ce que vous voyez bien l'écran là? Ouais, c'est bon. Donc là, on voit, là j'ai, on voit pas super bien là. ls-l, est-ce que c'est mieux? En tout cas, là, on voit dans JI que j'ai plusieurs fichiers qui sont là. Okay. Bon, l'autre manière de, je trouve qu'on le voit mieux là. 3, donc si je recherche, donc là on voit, j'ai plusieurs, là avec les slash, là, Z, on voit, donc c'est sur plusieurs répertoires. Okay. Donc si on va regarder rapidement le script, j'ai juste. Donc, sort MP3. Je vais enlever la syntaxe parce que on verra mieux, surtout avec le projecteur. Donc ici, ce que je fais, bon, ben, la petite description, la petite licence du script, hein, juste pour que s'assurer que y ait une licence sur le script, donc qu'il soit libre. Donc bon, ma première ligne, hein, je rajoute, hein, je vais rajouter les numéros, tiens. Cette année. Ok, donc première ligne, donc j'ai le script bash qui démarre avec une petite description de qu'est-ce qu'il fait, l'auteur et la licence. Donc hein, rien de vraiment. Donc la ligne, à partir de la ligne 9 à 19, là ce que je fais, c'est que je fais mon chunk de variables en fait que je vais avoir. Et ici, je crée ici un fichier temporaire. Okay.
Ok, donc là le premier, ligne 14, 15, je dis le premier argument, comme on avait dit, où il y a les MP3 à l'origine. Et le script, le 2, c'est le deuxième répertoire. Et ici, j'ai un TMP-fin, j'ai utilisé un fichier temporaire, en fait, c'était pour afficher à la fin, justement, sorter par type de genre. On va voir là, la partie que je disais qui était plus compliquée à faire, là, où là je me suis dit, ah, comment je vais faire? Puis là, je commençais à me dire, ah, ça va devenir compliqué. Donc j'ai pris une gorgée de bière, puis je me suis dit, ah, ça sera peut-être pas nécessairement propre, mais ça va bien marcher. Donc je vais revenir. En fait, c'est vraiment un fichier temporaire. Et ici, ce que j'ai fait avec, donc, signe de dollar entre parenthèses, donc ce qui est entre la parenthèse, c'est une commande. Ok. Donc si on regarde, ici j'ai mktemp, donc ce que je vais faire pour déboguer, en fait pour comprendre, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir du fichier et je vais écrire ici mktemp. Qu'est-ce que ça fait mktemp? Ça, en fait, ça donne un nom de fichier temporaire random. Donc ça me permet, quand j'ai un fichier temporaire que je veux faire, j'utilise mktemp. Je pense pas qu'il le crée par défaut, peut-être qu'il le crée même. Oh, il a tout de suite créé un fichier vide dans TMP. Donc ça me permet juste quand, ah, j'ai besoin d'un fichier temporaire, paf, je peux utiliser mktemp. Et là, je suis sûr que le fichier, il est unique. Tu sais, il n'y aura pas, parce que tu sais, si je l'appelle Toto, puis je l'appelle TMP Toto dans trois scripts, à un moment donné, c'est possible que l'un, il écrase l'autre, puis que mes données soient plus valides. Donc avec mktemp, ça m'assure que j'ai un fichier unique. Il devrait l'être à peu près là. C'est peu probable que ce soit. Et là, en fait, il est avec un numéro random, puis il me l'a mis dans TMP. Okay. Vous pourriez faire un man mktemp, il y a des arguments là, mais j'utilise jamais les arguments. Donc ça, c'est la première partie. Je reviendrai là-dessus. Mais bon, on voit TMP file, donc c'est vraiment juste un fichier temporaire. J'ai mon main, donc là, on commence réellement mon script. Et la première partie. Est-ce que je peux encore? Ah. Ok, là j'ai ma. Donc ouais, c'est ça. Donc là c'est ma partie de validation des variables. Okay, parce que c'est surtout ça en fait dans le script que ça devient tout de suite gros, c'est que on valide les différentes variables qui ont été fournies. Qu'est-ce que je fais ici? Donc ligne 26, je valide que j'ai bien reçu deux arguments. Donc je valide que j'ai bien reçu un répertoire source et un répertoire destination, et ça je le fais grâce au symbole signe de dollar dièse qui me dit le nombre d'arguments que j'ai reçu. Okay, donc si le nombre d'arguments less than 2, donc si j'en ai moins que 2, alors il m'affiche le message qui est ici. Donc le script prend au moins deux arguments. Ici à la ligne 29, j'ai utilisé signe de dollar 0 pour nommer le nom du script. Donc si le script s'appelle Toto, ça sera écrit Toto Directory Source Directory Destination. Et aussi ce que je fais, après je fais exit 2. Donc hop, je quitte le script. Avec, vu que le script n'a pas fonctionné, je lui donne un argument 2, comme ça va être une erreur. Si je faisais juste exit, il va exiter, mais avec le code de retour 0. Donc si quelqu'un prend. Regarde le résultat de signe de dollar point d'interrogation, donc la dernière valeur, il va partir du principe que le script a bien fonctionné. Donc c'est pour ça que je fais exit 2. Je pourrais faire exit 1, je pourrais. Faut juste pas que ça soit 0. Voilà, fait. Ok. Donc là, pareil. Là, je dis, donc le deuxième, où je fais la validation du répertoire source. Et si je dis. Ici, si on regarde 34, si ce n'est pas, donc point d'exclamation, si ce n'est pas un répertoire, tiret D, c'est directory. Donc si ce n'est pas un répertoire, ici je dis, ah ben, le répertoire source fourni, ben, c'est pas un répertoire. Donc je lui donne tout de suite un message d'erreur. Même chose pour la destination à la ligne 40. Je lui dis ici, si le répertoire destination n'est pas un répertoire, alors sort.
Et en plus, ce que je vais faire une autre validation. J'aurais pu le mettre dans le même if, mais j'ai préféré le faire séparé. C'est vrai que dans la vie aussi, je vais souvent le faire plus séparé. Et là, ici, ce que je lui ai dit, c'est s'il est écrivable, writable. Parce qu'il va falloir que je crée des répertoires ou que je crée des fichiers, que je les copie. Donc, je me suis dit, ah, mais ça serait bien de faire une autre validation en plus de savoir si c'est un répertoire, si je peux écrire. Pour rappel, man test pour avoir la liste des différents options qui étaient disponibles. Donc le D pour le directory et en fait il est à la fin complètement pour le writable. Là c'était vraiment juste pour rajouter un peu de if, hein, parce que sinon de toute manière il va donner une erreur quand il va essayer d'écrire dedans. Tu sais, donc c'est juste que je me suis dit, oh ben, je peux bien attraper cette erreur-là tout de suite au démarrage, quoi. C'est pour en rajouter un petit peu, là. C'est bon? Stéphane, ce que je disais ici, c'est que je faisais, if, si ce n'est pas un répertoire, donc le point d'exclamation me permet de faire une négation. Donc, si ce n'est pas un répertoire, je fais ça. Si c'est un répertoire, ben, il va juste sauter par-dessus et continuer. Je fais deux validations. Je valide le répertoire source, donc où il y a les MP3 d'origine. Je valide les répertoires de destination, donc valider que c'est bien un répertoire à l'arrivée et pas un fichier. Et je valide que je peux écrire aussi le répertoire de destination. Donc là, c'est vraiment juste de la validation, hein. J'ai à peu près 25 lignes de validation pour être sûr que, hein, pour pouvoir informer l'utilisateur. Oui, j'aurais pu dire, en fait, ce qu'il aurait fallu que je dise, c'est juste que quand tu rajoutes des, mais j'aurais pu réussir, j'aurais pu juste dire, ça me donne une erreur, mais tu sais, si ce n'est pas un répertoire et qu'il est pas écrivable, tu sais, quand tu commences à faire, moi je trouve que c'est compliqué quand je fais des if not, de rajouter deux conditions. Parce que là, à ce moment-là, je suis toujours là en train de regarder le truc. Ok, attends, deux négations, ça fait un vrai. Tu sais, j'étais à un moment donné. Donc, regarde. Puis c'est pas comme si c'était un programme gros, là. Fait que j'ai préféré le faire séparer. Juste pour la question de la. Ben, est-ce que c'est plus clean? Là, après, c'est comment on voit. Mais je trouvais que c'était au moins plus clair. Plus lisible, ouais, c'est ça. C'est bon? Ok. Donc là, je pars du principe que quand je suis rendu à cette étape-là, donc à la ligne 53, l'ensemble des mes variables ont été validées. Donc je peux les utiliser en toute confiance, si on peut dire. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire une récupérer l'ensemble des MP3 qui sont disponibles. Parce que ce que j'avais bien dit, fallait que ça soit récursivement à l'intérieur des sous-répertoires. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un find du répertoire qui m'a été donné. Et là, je cherche de type, il faut que ça soit des types fichiers. Donc si j'aurais un répertoire qui s'appellerait toto.mp3, il ne serait pas pris en considération. Donc c'est de type fichier et que le nom est étoile.mp3. Mais je valide que c'est quand même bien un fichier. Donc, et là, à ce moment-là, j'ai récupéré l'ensemble des fichiers qui sont en dessous du répertoire qui a été donné. Ça va, ça? Et vu que c'est entre signes de dollar et les parenthèses, ben c'est le résultat de la commande qui est fourni. Dans la... non, ça c'est une variable qui a été créée. Donc, si on regarde, hop, je peux prendre ça, bah, je vais la refaire, donc, je l'avais fait en plus un peu plus tôt, find, oh, le nom du, ça peut être, ben, point, donc le répertoire courant, ah, excusez, bon. Find, le répertoire courant, de type fichier, et que le nom est étoile.mp3. Oups. Ok.
Et là, quand je fais ça, donc ma variable qui était donnée va contenir là. Bon, là, j'ai mis des répertoires bidons. Là, j'ai fait A, H, N. Tu sais, j'ai juste pour que ça me crée des répertoires. Donc, ma variable LST MP3 file, je pense. Là, il faudrait juste que je re-regarde le script. Mais il va contenir chacune de ces lignes-là. Okay, donc. LST MP3 file contient ça. Et ça, cette variable-là, je vais pouvoir faire une boucle à l'intérieur pour traiter chacun des éléments. Hein. Ce que je fais en ligne 58, donc for MP3 file in LST MP3. Donc j'entame la boucle ici. Donc je vais juste, hop, si on reprend, donc on sait que LST file contient tout ceci. Donc, il va prendre la première fois le fichier ZGEND 108. Hein? Il va prendre là, il va faire tout ce qu'il y a dans la boucle for. Une fois qu'il aura fini de traiter lui, hop, il va reprendre celui-là au-dessus. Et le suivant, donc le fichier qui est M Mariscada Sound, donc, etc. Il va traiter chacun des éléments l'un après l'autre. Okay. Donc, si je regarde, je vais revenir à la définition. Donc, je voulais lire les MP3 récursivement dans le répertoire fourni en premier argument. Donc, ça, c'est fait. Donc, là, c'est le find. Le script va analyser le MP3, créer un répertoire pour le genre de musique, donc reggae ou les autres. Et lui va créer donc ce répertoire dans le deuxième argument. Donc là ici j'avais dit valider le répertoire. Hein, et il va créer donc reggae, électro, puis les autres, polka, etc. Okay. Donc on va voir cette partie-là. Qu'est-ce que je peux mettre? Non, je peux pas mettre la boucle for le complet. Okay. Donc si je regarde ici, qu'est-ce que je vais faire à la ligne 61? Je récupère le genre du MP3 que je suis en train de traiter. Hein? Donc, MP3 un point moins P, le genre de la variable MP3. Donc, c'est la première en ligne 58, donc la première itération que je vais passer. Et celle-là, on l'avait vu lors de l'utilisation de Xarg, puis lors de la révision, là. Donc là je prends, donc là maintenant ça va être à l'intérieur, la commande a été exécutée. Ah ouais, là je me suis dit, ah tiens, juste pour rajouter un petit peu, je valide que la commande MP3 info a fonctionné. Hein, donc en ligne 62, je me suis dit, oh mais imaginons que j'aurais pas un fichier MP3. T'sais, imaginons que le fichier il s'appelle .mp3, mais en fait c'est une image. T'sais. Par inadvertance, il y a quelqu'un qui a voulu jouer un mauvais tour. Hein. Et là, il se dit, ah, 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 le script, il va cracher. Non, parce que en fait, ici, je dis, si la commande à la ligne 61 n'a pas retourné le code 0, donc elle n'a pas été un succès, ici, je dis, ah, bon, bah, il y a eu un problème avec tel fichier qui je ne suis pas capable d'extraire le genre. Et ici, je fais continue. Donc, il abandonne le traitement du MP3. Tout le reste, il va pas le faire et il va prendre le prochain qui est dans la liste. Ici. Oui, on continue. C'est comme si, en fait, dans la book for, ça je l'avais pas donné dans l'explication. Là, c'est un petit plus. Hein, j'en profite pour rajouter un petit peu des données. Il y a break qui nous permet de arrêter, couper complètement la book for. Donc, si j'écris break, là, peu importe que je suis à la première ou à la dixième itération, paf, il s'arrête, puis il sort la book for. Continue, il dit, ah, oh, ok, j'arrête le traitement de cette entrée et je passe au suivant. Donc, là, à ce moment-là, hop, il sort complètement et il prend le prochain qui est dans la liste MP3 file. Donc, là, ça me permet de, ah, oh, encore, c'est souvent un. Hein, ce qui fait la lourdeur d'un script, c'est toujours les validations en fait. C'est toujours la gestion de cas de figure. C'est 90% du temps que ça. Bien entendu, hein, je vais vous fournir le MP3, le script après, là. Pas de problème. Donc la ligne 64, si donc la commande MP3 info n'a pas fonctionné, il va sortir et il va prendre le prochain fichier qui est dans la liste.
C'est bon? C'est vrai que c'est toujours plus évident quand... Ouais. C'est ça. Avec ou sans la bière en même temps? Après, ce que je fais, c'est que je fais la validation. Parce que là, on a dit que je crée un répertoire. Donc là, j'ai réussi à prendre le genre du MP3. Donc je sais que c'est un répertoire, un fichier, par exemple, hein, de type reggae, par exemple. Donc là, je veux créer le répertoire à l'intérieur du dir des, donc de destination. Le problème, c'est que peut-être que j'ai déjà traité dans ma boucle, peut-être que le premier fichier que j'ai traité, c'était déjà un fichier de type reggae. Si à chaque fois je fais le mkdir, ben là il va me dire, ah ben le répertoire existe déjà. Donc qu'est-ce que je fais? Je valide que le répertoire, s'il n'existe pas, s'il n'a pas déjà été créé, ben à ce moment-là, je le crée. Encore une fois, j'aurais pu faire une validation ici. Est-ce qu'il a réussi à créer le répertoire, etc. Là, bon, j'ai coupé. Je me suis dit que de toute manière, j'avais déjà vérifié que j'étais capable d'écrire là-dedans. Je suis parti du principe que bon, l'idée était faite là. C'est bon? Donc, et là, ce que je fais, je copie le fichier MP3 dans le répertoire qui a été créé ou pas, parce qu'il était peut-être déjà créé, à l'intérieur du répertoire. Et là encore, je valide que la commande copie, elle a fonctionné. Je me suis dit que ce serait bien quand même de valider encore une fois. Parce que ici, si ça n'a pas marché, bah ici au moins, il ne pourra pas plus marcher. Donc je fais une validation. Donc encore une fois, je valide que... Donc en 74, je valide que la commande à la ligne 73, CP, a bien retourné le code 0. Donc, ça a bien marché. Donc, si signe de dollar, point d'interrogation, n'est pas égal à 0, donc si c'est pas bon, il dit une erreur s'est produite lors de la copie. J'affiche la commande que j'ai fait, parce que tu sais, parfois c'est bien pour débugger. Et encore une fois, je dis continue, parce que je veux pas qu'il arrête complètement le script. Ok, ce MP3-là, il n'a pas fonctionné. Passons au suivant. C'est bon. Il aurait pu être, oui, effectivement. Ça, la redirection de l'information pourrait être faite là, sans problème. C'est bon? Là, j'avais dit aussi, là, si on revient, là, ici, si le MP3 traitait pour le moment, sur le moment, et genre reggae, donc il disait yes, Rasta, il attendait 2 secondes, il disait yes, Rasta, et si c'était de type électro, il utilisait le bip. Steel PC speaker. Du PC speaker en tout cas. J'aurais peut-être dû dire steel, mais bon, c'est pas grave. On va quand même l'entendre. Donc, là, c'est ici que je le fais. Là, il y avait deux manières de le faire. Là, j'ai utilisé ce qu'on avait vu, le if, mais on aurait pu utiliser l'autre instruction qui est un case, donc de faire la gestion. Ouais, le else if est présent. J'avais effectivement pas fourni. Lors de l'information de la matière, là j'en profite un petit peu de la rajouter. Là. Donc ici, je dis, si le genre, le MP3 genre, c'est reggae, alors il va faire ce bloc-là. Ouh. Ah non, c'est bon, excusez. C'est pour ça que l'indentation est importante. Si ce n'est pas, donc en ligne 81, si c'est pas de type reggae, là il va faire la deuxième validation en ligne 87. Qui est de type, si c'est de type électronique. Si ce n'est pas du reggae ou de l'électronique, à ce moment-là, il va juste sauter cette partie-là et passer au suivant. Ok? Donc ici, là, j'avais dit, il faut faire le slip de 2 secondes et j'utilise la commande eSpeak pour que la machine parle. Comme on avait dit là, pour avec la voix, je l'avais fait déjà entendre. On va l'entendre de toute manière, parce que je dirais. Et là, je dis, ah, si la commande eSpeak n'a pas marché, parce qu'elle n'est pas installée ou parce qu'il y a un problème, à ce moment-là, j'ai décidé de afficher. L'idée là, ici, là, la seule chose que je voulais faire, c'était de bien
réincruster dans votre rétine le fait du if not égal 0. C'était vraiment ça que je, c'est pour ça que je recommence à le faire là, juste parce que on le voit régulièrement. Si donc c'est de type électronique, bon, toujours le 2 secondes, et là j'ai voulu la commande en ligne 83 et 83 84, donc où je fais la commande et après je fais le if. Et la ligne 89, c'est la même commande en fait. Si ça n'a pas retourné 0, si ce qui est là, donc le bip machin, n'a pas retourné 0, alors il va faire là. En fait, là, je l'ai fait en une commande au lieu de le en faire en plusieurs lignes. Oui, non, c'est. Mais le problème, en fait, effectivement, c'est mieux en deux, c'est plus lisible, et c'est pour ça que j'ai plus tendance à le faire. Mon problème, c'est que si je fais du debugging, et que, par exemple, j'écris echo toto ici, ça sera toujours zéro, parce qu'il prend la dernière commande. Donc, faut juste faire attention à ce que le if, avec la validation avec signe de dollar, point d'interrogation, reste toujours bien collé avec la dernière commande. Juste, mais c'est un très bon point que tu soulèves. Mais moi aussi, je préfère avoir comme ça. C'est plus, je trouve que c'est plus clair aussi. Bien entendu, j'aurais pu aussi dire, et ça, je l'ai souvent utilisé, code retour speak égal signe de dollar, et ici mettre code retour ispeak. Donc là, il va falloir que la ligne 84 et 83 restent collées, mais après, mon if peut être n'importe où. Ça serait toujours une option. Et là, ici, donc, si le bip n'a pas fonctionné, je fais echo bip. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, finalement, on va faire le cours sur la correction du script. Là. Il est déjà 40 là. Ok. Là, dernier point. Donc, le dernier truc qu'il doit faire, c'est afficher le type, le total de MP3 par genre. Ok. Là, ça devenait compliqué, en fait. Là, je me suis dit, oui, je peux faire un plus 1 pour faire un incrémental, mais je le mets où, l'incrémental? Et puis, est-ce qu'il va falloir que je fasse un if avec tous les genres de MP3 que je peux avoir? Il y en a beaucoup, là. Si on fait MP3 info, moi, j'ai majuscule, je pense. Ouais, il liste tous les types de MP3, tous les types qui sont disponibles là, et il y en a beaucoup là. Toi, j'ai 245. Ouais, c'est ça. Donc là, j'en ai beaucoup. Donc là, à ce moment-là, tu sais, ça devenait compliqué. Puis là, je me suis dit, putain, comment je vais faire ça? Là, après, est-ce que j'aurais pu processer les MP3 d'origine? Oui, mais là, j'avais fait des validations à dire, ah, lui, s'il est pas bon, lui, si c'est pas un MP3, quand j'ai fait le MP3 info. Là, je me suis dit, oh god, là, j'ai pris une gorgée de bière, je me suis dit, oh, bon. On va faire ça simple. Ce que je fais, c'est après chaque traitement de MP3, donc qui s'est rendu jusqu'à la fin, je rajoute le genre du MP3 dans mon fichier temporaire que j'avais fait. Donc là, on voit, j'ai utilisé plus grand, pour qu'il fasse un append dans le fichier. Okay? Puis après, je me suis dit, ah, well, pour afficher le résultat, fais un sort de mon fichier, puis fais le compte en unique, là, puis ça va bien faire l'affaire, là. C'est moins joli, mais c'est tout aussi efficace. Ben, en fait, je vais avoir le nombre de genres, mais j'ai rajouté un genre par fichier à chaque fois que je l'ai passé. Fait que je vais avoir le nombre de fois qu'il a été traité. Et j'avais bien stipulé dans l'exercice, et j'étais d'ailleurs content quand j'ai vu ça, que le nom du fichier ne devait pas apparaître. Et là, j'ai fait comme... Yes!
J'ai bien fait d'écrire ça comme ça. Donc c'est pas super beau, c'est pas super clean, mais well, ça va super bien marcher. Et ça nous donne deux avantages. Ça nous montre que ben, l'utilisation de redirection et l'utilisation d'un fichier temporaire. Donc voilà, ben, ça répond à une demande de formation. Voilà. Et ici, ce que je fais le clean-up du fichier. Hein? Parce que c'est bien beau avoir un fichier temporaire, mais on a vu que la commande mktemp, ben, il crée le fichier automatiquement. Donc, je valide que le fichier il existe, et s'il existe, je le supprime. C'est bon? Bon, on l'exécute? Je sais pas. Sound. Donc là déjà on entend le PC speaker. Hein. Ben le. C'est le bip. Ok. Donc. Hein? Non, là je l'ai pas exécuté là. Donc là je vais l'exécuter. Sort. Donc là j'ai pas d'argument. Je vais dire, ah, il faut au moins avoir deux arguments. Ok, donc jusque-là tout va bien. Je vais dire le répertoire courant. Point. Tout le monde est confortable avec ça? Ouais. Ter. Je manque d'arguments. Password. Et on dit, oh, c'est pas un répertoire, le jeune. Ah, il n'y a pas dit le jeune, mais il pourrait. Je vais créer un répertoire. TMP Toto. Il va peut-être déjà exister, là. Ok, on va regarder. Parfait. Donc là, on voit, si on regarde le fichier TMP Toto, j'ai pas le droit d'écrire dedans. Hein, vu que mon utilisateur. Donc ici, si j'enlève. Toto, et on dit, ah, c'est pas écrivable par cet utilisateur. Okay. Là, je vais changer. Show répertoire. Donc là, je vais me donner les droits d'écriture dedans. Là, maintenant, je peux écrire. Maintenant, vu que j'ai les permissions d'écriture, vu que je suis le propriétaire. C'est bon. Et là, c'est parti. Donc, on a fait un MP3. Un autre MP3. Attends, ouais, il manque le bip. Ah, le bip, il a pas marché. Donc là, on voit que le commande if a pas marché. Pourquoi le bip a pas marché? C'est une bonne question. Et là, j'ai le résultat avec le nombre. Effectivement, j'ai. Donc là, si je fais la commande bip. Ah, bah, il est pas installé. Damn. Ah, c'est pas. Donc là, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Bon, qu'est-ce qu'on n'oublie pas, il y a aussi possibilité d'utiliser le bash-x pour faire le debugging. Hein? Parce que là, je me dis, hein, mais ça devrait marcher, je comprends pas. Je peux refaire l'utilisation. Et là, au moins, on voit toutes les commandes qui s'est passées. Et on voit le processus avec le MP3 info, avec la commande qui a été utilisée, etc. Donc, très pratique, hein, encore une fois, pour faire le debugging de l'opération. À quel moment, pourquoi j'ai pas le résultat? Okay. Là, il faut dire que ce que j'avais fait aussi, si je reprends le fichier MP3, le fichier de tri. Hein, j'ai tout mis mes résultats. Ah, excusez. 7, 9. Donc la ligne 89 ou même 83, j'ai tout envoyé dans dev nul les messages d'erreur. C'est pour ça que j'ai rien fait à l'affichage quand il n'y a pas les commandes qui marchent, quand elles marchent pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un apt-get install du bip. Non. Parce qu'effectivement, la commande bip, si je fais juste bip, ça marche pas en fait. Je pensais que ça marchait, mais ça marche pas. Là, on va juste se rerouler. J'aime pas avoir le debug là quand c'est pas utile. Donc. Alors, ils sont à la fin. Comment j'ai. C'est beau, hein, quand même, la voix. Là. Là, il vient de faire le bip. Ouais.
En fait, comment j'ai dû faire le bip, là, je me suis rendu compte que moi, je le désactive tout le temps, mais au niveau du terminal, Edit, Préférences, j'ai dû Terminal Bell, j'ai dû l'activer. Si j'étais dans une console pure, là, si on peut dire, il l'aurait fait automatiquement par défaut, là. Mais donc là, j'ai dû déjà ça, il faut que ça soit présent. Donc édition, c'est présent, parfait. Et en fait, là, j'ai dit, ah merde, c'était pourquoi ça ne marche pas? Là, j'ai fait bip, j'ai regardé, et il y a la possibilité avec moins e, de lui spécifier le TTY, Use Event Device, is not use, hein, dev TTY 0. Et le TTY, en fait, c'est le terminal que je suis en cours d'utilisation. Si je fais la commande TTY, donc PTS4, donc ici maintenant, si je rajoute bip moins e dev PTS4, donc là maintenant ça marche. Bon là j'ai dû justement enlever le message d'erreur inappropriate, parce que c'est vu que c'est un device virtuel, que c'est pas un device série conventionnel. Okay. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma commande? Parce que là on voit. Là, j'ai dev PTS 4. Mais si je regarde, par exemple, mon autre terminal ici, c'est un TTY. Maintenant, ici, c'est dev PTS 6. Hein, donc, je ne peux pas juste mettre un nom, une valeur fixe. Donc, c'est pour ça que dans le script, sort MP3, ici, off, sur la commande bip, donc à 89, je dis bip moins e et j'utilise le résultat de la commande. Hein, quand c'est le signe de dollar en parenthèse, il va exécuter la commande et il va mettre le résultat là. Comme on avait vu avec date. Comme. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit pas pour faire une association avec une variable, mais pour une utilisation directe dans une autre commande. On va regarder ça. C'est bon? Là, j'avais la gorge, la bière hollandaise, là. Une jaune. C'est bon comme ça? Ce qu'on va regarder au prochain cours, si vous pourriez rapporter encore une clé USB. Eh oui, yet again. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir, on va revenir un peu sur la gestion des devices. Mais on va voir en fait le système UDEV qui nous permet de gérer dynamiquement les devices. Donc on va voir un petit peu, on avait vu Dev, SDA, etc. Mais on va voir en fait l'objectif que je veux voir avec UDEV, c'est juste pour finaliser avec l'intégration avec les scripts. C'est quand j'ai une clé USB, si je branche la clé USB, comment je peux faire en sorte pour qu'il démarre un script? Donc, par exemple, qui réalise un backup sur la clé USB qui vient d'être insérée. Hein, parce que si j'ai un disque de backup, si je le branche, j'ai peut-être pas nécessairement envie de ah ouais, faut que je lance le script après. Tu sais. Tant qu'à y être, là, je vais le brancher et puis qu'il le lance tout seul si c'est à chaque fois ça que je fais. Là. Effectivement, on avait vu avec LS USB, etc., qu'on est capable de comprendre, de détecter et on va voir qu'on va pouvoir mettre plusieurs critères pour pouvoir s'assurer que c'est le bon qu'on met à l'intérieur. Donc on va voir ça. Je sais pas si ça vous intéresse, on peut le dropper, ça peut c'est plus c'est moins critique, mais on va pouvoir le faire. Alors voilà. Donc c'est vraiment ça l'idée et on va aussi voir comment ça se fait qu'à chaque fois je branche une clé USB quelque chose, il se monte automatiquement le CD-ROM, un peu démystifier ce qui est un peu dans la gestion, on va voir il y a l'ensemble des règles qui est disponible pour le voir. C'est bon? Ça mettra fin aujourd'hui, du moins la présentation, je vais venir vous voir pour si pour les scripts. Ouais. Pour les bips des scripts.